Salut les amis, aujourd'hui nous allons regarder la vague de froid qui arrive et pour cela je vais commencer à pailler mes carottes, mes céleris, surtout les céleris parce qu'ils dépassent, on va voir ça après au champ, avec la nouvelle pailleuse Jolin que j'ai trouvée d'occasion tout près de chez moi à un prix tout à fait honorable. Je remercie le vendeur. Et m'a vendu un truc super, bien préparé, nettoyé et tout, merci à son fils. Il faut le dire, voilà, c'est comme ça. Ça fait vraiment plaisir aussi. Et puis, bon, mis à part ça, tout le reste, hein, nous marchons sur la tête. C'est pour ça que j'ai la tête en bas. C'est, voilà, hein, des incohérences partout, des normes. Il faut. On nous met des normes, des normes, des normes, des normes. Faites pas ci, faites pas ça. Je rentre pas dans les détails. Et puis après, on va aller apporter des produits venant d'ailleurs, qui n'ont pas du tout les mêmes normes, mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qui importe, c'est le pouvoir d'achat et c'est la marge de certains aussi, hein. Faut pas se leurrer. Allez, pour l'instant, je vais pailler mes céleris, je vais mettre de la paille et puis on va faire comme ça, hein. Allez, à plus. Ouais, mais les amis, aujourd'hui, on va aller essayer cette chose. Une pailleuse Jelin, alizée, dont j'ai fait l'acquisition il y a une ou deux semaines là. Et donc elle va me servir à pailler mes carottes dans un état un super état, toute propre. Bon, c'est des commandes manuelles et tout, mais c'est pas grave. Et on va voir ça ensemble. Donc avant, il faut installer la barre qui a un aspect peut-être un peu tordu, mais bon, c'est pas très grave, ça marche quand même. Voilà la machine. Donc on a mis la barre, après on met l'axe évidemment, voilà ce qu'il faut en dessous, on voit qu'il s'en aille. Ensuite il faut la prise de force évidemment, et il faut surtout un aller d'huile et un retour d'huile. Voilà, donc on a branché l'aller et le retour, et donc maintenant on n'a plus qu'à, donc là devant on lève la machine avec le relevage, puis derrière avec la manette qui est là. Voilà. On a soulevé l'arrière de la machine. Impeccable. En fait, il y a des vérins là, qui sont quand même assez conséquents, qui, avec un bras, qui soulèvent l'arrière de la machine pour plus qu'elle touche au sol. On va la mettre dehors.